proposer une expérience aux participants, de vivre quelque chose peut-être de différent de ce qu'on a l'habitude de vivre tous les jours. J'ai proposé de créer quelque chose avec la nature, de s'arrêter ensemble, d'être créatif et de vivre quelque chose, de vivre un moment dans la nature. Alors le plus important, je pense, c'est de faire la marche vraiment en silence. C'est vraiment de respecter le silence et puis d'aller se promener dans la nature tranquillement, sans être trop pressé. L'important, c'est de vivre tout ce qui se passe autour de toi. Vivre plus proche de l'ici et maintenant. Et puis moins être dans ce stress, moins être dans à tout prix cette compétition, devoir arriver à faire les choses. Mon idéal, ce serait vraiment d'avoir une ferme où je peux vivre en autarcie et puis compter que sur ce que moi je produis. Mon ambition, ce serait de trouver un équilibre ou de chaque jour trouver l'équilibre entre voilà, ma vie de famille, les randonnées accompagnées, mon travail d'aumônier auprès des personnes handicapées. Parce que c'est pas toujours facile de jongler d'une chose à l'autre. Quand on trouve l'équilibre, ben, ça fait du bien. Je crois que j'ai pas d'autre ambition que ça. Voilà. Peut-être si t'en dis une girafe, bah oui, j'ai la même addiction que toi. Vas-y, essaye. Non, ben, moi, ça resterait sur le chocolat. Alors, non, pas du tout chocolat. Hein. Non, même pas chocolat. Non. Hein. Pas chocolat, non. Éventuellement le fromage, mais pas de chocolat. Et non.